Moi, le matin, j'ai débuté mon début de corps normalement. Mon compte en main était venu nous voir parce qu'il y avait une job urgente à faire. Ça consistait à faire un cercle de métal, une job relativement simple pour un soudeur-monteur. Fait que je commence à fabriquer la pièce. Je suis en train d'opérer l'équipement, la machine. Fait que là, je réalise qu'à la fin du cerclage, l'axe était dérivé un peu. Donc, j'ai voulu intervenir. Ce que j'ai fait, j'ai pas peur de le dire, j'ai voulu faire un coup vite. J'étais allé prendre la pièce pour pouvoir la retirer, pouvoir la redresser, durant que la machine était en fonction. À ce moment-là, le cercle, quand se refermait sur lui-même, ben ça a provoqué un coincement de ma main entre les deux arêtes. Ben quand la machine s'est arrêtée, j'étais vraiment coincé là, à zéro. Il n'y avait aucun dépassement là, entre les rouleaux. Fait que j'avais la main compressée. Quand j'ai vu l'état de ma main, j'ai compris une chose. J'ai compris que ma vie allait changer à jamais. Ben, ce que ça a changé dans ma vie, ben, tu sais, ça mutile pas juste une main, une machine comme ça, ça mutile les rêves aussi. J'ai dû réapprendre à écrire de la main gauche, ce qui était une adaptation en soi. Ensuite de ça, mon quotidien est changé à tout jamais. J'arrive le matin, lacer mes bottes, c'est plus difficile. Une fermeture éclair, c'est plus difficile. Ensuite, si je vais au dépanneur puis je veux payer avec de la monnaie, j'ai de la difficulté à manipuler de la monnaie. Je veux me faire un repas le midi, éplucher une patate pour moi, c'est rendu complexe. J'arrive le soir, admettons, je vais avec ma conjointe au restaurant, puis c'est elle qui s'offre pour couper ma viande parce que j'ai de la difficulté à utiliser un couteau puis une fourchette. Là, on vient juste de parler des trucs de base. Fait qu'imaginez mes loisirs, mes passions, comment que ça a pu affecter tous ces éléments-là. Là. Je pense à ma motoneige, à mon VTT. C'est des sports que j'ai été obligé de m'éloigner un peu par la force des choses. Là. Ce que je souhaitais dans la vie aussi, ben, c'était de faire en partie ma propre maison. Comme là, je me suis construit dernièrement, mais je dois payer pour des travaux que je pouvais faire moi-même. Fait qu'en plus de me priver d'un plaisir, d'une fierté que j'avais à faire des travaux à la maison, ben, maintenant, il faut que je paye là, pour les faire. Fait que je suis comme doublement désavantagé dans le scénario que je vis au quotidien. Par la suite, j'ai dû entamer une longue adaptation qui consistait justement à pouvoir avoir de la mobilité au niveau de la main pour pouvoir justement me servir au moins de la pince qui me restait. Puis c'est la pince-là qui me sert au quotidien. J'ai fait la physio-ergothérapie durant environ 2 ans. Fait que ça aussi, ça a été des épisodes de douleur où que, justement on essayait d'activer la circulation sanguine, des éléments comme ça. L'événement commence 2 mois environ avant le jour que ça s'est produit. C'est que j'étais en train d'opérer l'équipement avec un collègue, puis j'ai identifié le danger. Je me suis dit, sais-tu que si quelqu'un se coincerait la main dans le dent, il serait vraiment mal pris. À ce moment-là, ben, la discussion a s'arrêté autour de la machine. Bon, on sait qu'en prévention, c'est beaucoup plus qu'une intention ou une discussion, c'est une action. Puis l'action que j'ai pas fait, mais c'est aviser mon employeur pour qu'on puisse trouver en équipe une mesure corrective qui aurait été temporaire, puis ensuite une permanente pour pouvoir utiliser l'équipement en sécurité. Fait que la remontée de l'information, les situations dangereuses à son employeur, c'est très important parce que ce jour-là, si j'avais fait cette action-là, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas en train de témoigner de l'amputation de mes 5 doigts de la main dominante, dans le fond.